merveilleuse création. Regardez plutôt. Le tout orchestré par mon cerveau. Comment pourriez-vous penser que la meilleure façon d'enseigner est de s'asseoir, de regarder et d'écouter une personne pendant une heure? Les combats et les bombardements, les habitants assistent impuissants à ce conflit qui s'enlise. À Alep, 14 ans.
43 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées ce lundi matin dans un attentat suicide à Bagdad. Un kamikaze a fait exploser une voiture piégée à l'entrée de la zone verte. Cette enclave hautement sécurisée dans la capitale irakienne abrite notamment les ambassades américaines et britanniques, ainsi que le Parlement irakien et les principaux bâtiments gouvernementaux. Le nouveau président somalien a été investi. Hassan Cheikh Mohamoud a prêté serment dans une salle fortifiée du camp d'entraînement de la police de Mogadiscio hier. C'est une première depuis la chute en 91 du président autocrate Mohamed Siad Barre, qui a déclenché plus de deux décennies de guerre civile. Hassan Cheikh Mohamoud avait été élu lundi dernier par le Parlement face au chef de l'État sortant, Cheikh Sharif Ahmed. Ce dernier a appelé tous les Somaliens à travailler avec son successeur. Une élection qui est l'aboutissement d'un accord de transition conclu le 17 février sous l'égide de l'ONU. Hassan Cheikh Mohamoud avait été visé mercredi par un attentat à la bombe revendiqué par la rébellion islamiste Al-Shabaab liée à Al-Qaïda. Le nouveau président s'est engagé lors de son investiture à lutter contre le terrorisme. Le ton continue de monter entre la Chine et le Japon avec désormais des mesures de rétorsion économique. Pékin et Tokyo se disputent la possession d'un archipel d'îles inhabitées. Alors que de nouvelles manifestations anti-japonaises, parfois violentes, ont ponctué le week-end, de grands groupes nippons implantés en Chine, tels que Canon, ont suspendu certaines de leurs activités. Panasonic a annoncé avoir été victime d'un sabotage de ses employés chinois. La Chine est le premier partenaire commercial du Japon, alors que pour Pékin, Tokyo ne vient qu'après l'Union européenne et les États-Unis. En tout cas, le secrétaire d'État américain à la Défense, Léon Panetta, a tenté d'apaiser les esprits. Nous sommes préoccupés par